Golf Mag vous est présenté par la forfaiterie. 1500 forfaits cadeaux, une seule adresse. Cette émission est enregistrée sur les sites du Golf Balmoral et du Manoir Saint-Sauveur. À chacun son manoir. Bonjour tout le monde et bienvenue à Golf Mag. Vous savez, à moins d'être un membre ou encore un invité de membre, il est parfois très difficile de jouer un de nos beaux parcours privés au Québec. Mais si vous faites comme nous, c'est-à-dire de profiter d'un beau séjour ici au Manoir Saint-Sauveur, sachez qu'il est possible de découvrir l'un des beaux country clubs de la région, le club de golf Le Balmoral, qui est situé non loin d'ici dans la vallée de Saint-Sauveur, à Morin Heights. Alors au cours des 30 prochaines minutes, on vous ouvre les portes de ce très beau parcours. Bon Golf Mag! Notre destination se trouve à seulement 8 km du manoir au club de golf Balmoral. C'est un parcours de 6426 verges à normale 72 qui nous attend. Dessiné en pleine nature laurentienne, ce parcours vous propose des trous au caractère unique. Un site comme on n'en voit pas tous les jours. C'est à croire que la vallée de Saint-Sauveur, Morin Heights, était faite pour accueillir un golf, de dire l'architecte du parcours, Graham Cook. Au Balmoral, on mise beaucoup sur la qualité du service. Un atout d'une grande importance, selon Jean Savard, directeur du club. Je suis en compagnie du directeur général ici au club de golf Le Balmoral, Jean Savard. C'est toujours un plaisir de te revoir, mais c'est la première fois que je te vois ici au Balmoral. Ça fait combien d'années que tu es ici? Maintenant, ça doit faire la 10e année déjà cette année. Alors, on voit que les années passent vite. Ah, effectivement. Et moi, ça fait donc plus de 10 ans que j'ai pas mis les pieds ici. Et je suis agréablement surpris du travail qui a été fait. Si tu nous expliquais, depuis une dizaine d'années, ce qui a été fait pour rendre ce parcours-là encore plus agréable qu'il l'était. On a fait, au niveau des infrastructures, tous les espaces, les voitures ont été asphaltés, le terrain a été asphalté aussi à grandeur. Et ensuite de ça, on a travaillé énormément aussi sur le drainage du terrain. Il y a eu aussi des améliorations qui sont faites au niveau des boisés. C'est un parcours magnifique. Mais par contre, quand on sortait un peu du bois, on voyait que l'herbe était quand même assez longue. Alors, ça a pris quelques années avec le temps, avec les employés du terrain ici. On a tout déboisé et ça rend le jeu beaucoup plus facile et plus agréable. Et plus rapide aussi. Et plus rapide aussi pour les golfeurs. C'est extraordinaire. Exactement. Vous avez combien de membres ici maintenant? On est rendu à 405 membres. Et disons qu'on est à peu près à 15-20 membres près de vraiment fermer le club. Alors, on sait que c'est un petit peu plus difficile, même du mais ici, quand même, on est sur le club privé en ce moment dans les Laurentides. Et la place est magnifique. Alors, c'est à la fois privé, mais aussi accessible au public parce que vous avez développé une relation d'affaires aussi avec le Manoir Saint-Sauveur. Et ça amène une autre clientèle ici. Exactement. Avec le Manoir Saint-Sauveur, les gens, ils ont l'opportunité de pouvoir, les gens qui vont au Manoir Saint-Sauveur, l'opportunité de venir jouer ici les fins de semaine et aussi la semaine. En terminant, je sais qu'il y a beaucoup de beaux trous ici au Balmoral. Une belle variété. Quels sont tes trous coup de cœur, les trous que tu aimes particulièrement? Le trou numéro 13, ici, c'est le trou signature. Ici, du parcours, c'est magnifique avec la vue du port de haut, puis tu vois les montagnes. Alors, on est entouré de montagnes. Et c'est étroit, Oui, c'est très étroit. Ce trou-là, oui, très étroit. Mais il est quand même facile à faire un birdie. Quand on sort bien du terre de départ. Mais avec tout le talent que tu as, c'est pour ça qu'on fait des birdies. C'est pas compliqué. C'est ça. Hey, Jean, merci de nous recevoir. Merci beaucoup, Ça fait plaisir. Puis bonne saison. Okay, merci beaucoup. Pour les plus fidèles téléspectateurs de Golf Mag, bien, c'est un peu des retrouvailles parce qu'il a déjà participé à d'anciennes émissions il y a quelques années. Martin Plante, comment ça va? Ça va très, très bien. Ça fait combien de temps que tu es ici au Balmoral? 8e année déjà. Déjà? Ben, les années filent, c'est fou. Eh oui, eh oui. Je veux que tu nous parles un peu de cet endroit, le Balmoral, qui est un parcours privé. On pourrait même dire un country club. Qu'est-ce qu'on retrouve comme activité ici? Oui, absolument. L'atmosphère country club, le calme, la piscine, le court de tennis, le champ de pratique et naturellement 18 merveilleux trous de golf. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a un défi sur chacun des trous ici. Oui, tous les trous sont différents. Et ce qui est vraiment agréable, c'est que tu as des options au départ. Si tu veux attaquer, si tu veux frapper le driver et puis espérer faire des birdies. Sinon, tu peux jouer un petit peu plus conservateur,
frapper des bois 3, des fers sur le tee, jouer, comme on dit, l'expression, jouer le terrain, jouer ce que le terrain t'offre. Mais c'est quand même assez large, c'est pas très étroit. Tout est nettoyé, tout est sublime. Il y a du beau travail qui a été fait ces dernières années. On parle aussi d'un parcours de montagne, le Balmoral, mais ça se marche. Oui, absolument. Il y a quelques trous, naturellement, en pente ascendante, mais c'est quand même un beau design de terrain. C'est vrai, c'est un terrain de montagne, mais il y a quand même quelques trous à faire attention. Pour le reste, là, c'est très, très bien. Et c'est avec lui qu'on va jouer le trou de la semaine. Vous allez découvrir un élan sublime à reproduire, non pas le mien, mais le sien. T'as choisi quel trou cette semaine? Trou numéro 17. Génial. Restez là. Golf Mag revient après cette pause. Voici maintenant notre trou vedette de la semaine, une normale 3 de 198 verges, le 17e. Rejoignons Daniel en compagnie de Martin Plante, le professionnel du Balmoral. Martin, ce qui est le fun ici au Balmoral, c'est que vous avez l'embarras du choix quand vient le temps de choisir un trou vedette, un trou signature. Il y en a plusieurs. Tout le monde connaît notre fameux 13e trou en descendant, notre fameuse normale 5 très étroite. Mais effectivement, il y en a plusieurs autres. Alors aujourd'hui, comme trou signature, vous avez choisi le trou numéro 17, qui est l'une de vos belles normales 3. Oui. Premièrement, le taux de difficulté est assez élevé. C'est notre normale 3 la plus difficile. On a deux plateaux. C'est un verre à deux plateaux. Ouais. Aujourd'hui, heureusement, on a le drapeau en avant à gauche, donc un petit peu plus facile, pas trop long. Mais un green quand même bien réceptif. Mais normalement, quand on joue ici, là, on est des jalons arrière. De quelle façon on doit l'aborder, ce trou-là, justement, pour éviter le danger? Absolument, éviter le côté droit avec la trappe et la pente du green. Tous les coups du côté droit vont avoir tendance, si on évite la trappe, à s'en aller vers la droite encore plus. Exact. Et par contre, si tu vas un peu vers la gauche, la pente va te ramener vers le verre. Mmh. Donc, puis un golfeur de ton calibre va viser directement sur le verre. C'est assez réceptif. Alors, si je comprends bien tes explications, avec le fanion qui est ici à gauche, rouge, c'est en théorie le fanion le plus accessible. Le plus accessible. On veut juste éviter de manquer et de rester à gauche. Le coup d'approche va être en pente descendante. Donc, faut faire attention. Ah, c'est intéressant. On frappe le green. Aujourd'hui, on est... je dirais, relativement chanceux. On a juste une petite brise de face. On doit le jouer comment? Est-ce qu'on doit s'en méfier? Oui, faut le calculer. Peut-être jouer un club de plus, okay, malgré le fait qu'on est en pente descendante, mais définitivement prendre un bâton de plus. J'adore ça. Bien, j'aime ta description. Tu connais bien le parcours. Je vais te laisser les honneurs. Parfait. Alors, on a dit quoi? 175 verges. T'as quoi dans les mains, toi? Là, j'ai un 6. Quelle est ta routine avant de frapper? C'est absolument celle-là. Je fais toujours la même chose, que ce soit dans le champ de pratique ou sur le terrain. Je m'en viens à l'arrière, quelques swings de pratique, rapidement, pour délier les muscles. Et j'essaie de visualiser mon coup et on exécute après. Super. Allons-y. Ah, solide. Bien frappé, Martin. Oui, merci. T'as tout le temps conservé un bon rythme. J'essaie. T'es chanceux d'avoir un bon rythme comme ça. Facile de reproduire maintenant. Alors, je vais essayer de reproduire ton bel élan. La ligne, mais je pense que le vent est un peu dedans. C'est bien ça. OK, on va aller voir ça. Parfait, allons-y. Good. Good. Mais Martin, il y en a nous deux qui va montrer à l'autre la ligne ou presque, mais je veux juste qu'on s'attarde ici en passant. Là, tu parlais de la dénivellation sur le verre, là, c'est clairement flagrant ici. Hein? Oui, donc tu as la pente ici qui peut soit ramener la balle vers le green. Ouais. Naturellement, quand le drapeau est en haut, c'est une autre histoire. Bien, je comprends. Et on voit également, là, pour ceux et celles qui ont de la difficulté à lever la balle, il y a moyen de rentrer aussi en roulant, ce qui est le fun. Absolument, oui. Ça donne une chance à tout le monde. Ben oui, c'est le fun, ça.
On a quand même deux bons coups. Je pense qu'on avait fait le bon choix de bâton, Martin. Oui, absolument, le bon club. On va réparer nos petites marques de balles. Oui. Les verres sont tendres. Ils sont beaux, les verres, ici. Absolument, on en prend bien soin. Il faut. Alors, on laisse la terre en dessous et on ramène le gazon sur le dessus. Quel bon conseil. Ah, mais c'est vrai, parce que ça prend tellement de temps à guérir ces marques de balles-là. Nos marques, maintenant, ne paraissent plus. C'est génial. Alors, ben comme t'es toi un petit peu plus loin... C'est à moi? Oui. J'ai les honneurs encore? Oui. Moi, pendant que tu vas t'installer, je vais aller lire la ligne à l'envers. Tu pourrais me conseiller en même temps? Ben en fait, je sais que tu connais le parcours mieux que moi, mais t'as clairement un pote en descente. Ça, je peux te dire ça. Oui, absolument. Donc, la pente s'en va vers toi. Et sans oublier que le départ est plus élevé. Donc, je pense que ça pourrait influencer notre coup roulé. Ça devrait aller légèrement droite à gauche, de mon point de vue. Intéressant. Oh, ça tient. Mmh! Oh! Ah, belle lecture. Je me suis fait jouer un petit tour à la fin, hein? Bien, est-ce que c'est pas la particularité des verres ici? C'est-à-dire que avec la montagne, avec les pentes, tout ça. T'as souvent deux petites courbes. L'exemple est vraiment flagrant ici. Ouais. Au début, la balle a été vers la gauche, puis à la fin, elle est revenue ce côté ici. Ça, c'est vraiment typique des parcours de montagne. Alors, t'as eu l'avantage d'être témoin un peu de ce que j'ai fait. Écoute, on dit souvent ça prend un professeur puis ça prend un élève. Dans ce cas-ci, je suis l'élève. Alors, voyons si tu as bien appris. Ouais, voilà la leçon. Alors, un petit truc pour moi ici, là. Cette tâche-là serait mon point intermédiaire. Selon moi, si la balle peut passer là, en principe, elle va bifurquer à la droite pour finir au fond du trou. Et voilà! Et voilà! Oh, wow! Un autre birdie! Wow! Facile! Toujours agréable. C'est beau, Daniel. Et juste en terminant, Martin, je vais inviter nos téléspectateurs à Golf Mag. Pour ceux et celles qui iront séjourner au Manoir Saint-Sauveur, il faut savoir que tu es disponible aussi pour des leçons pour ces gens-là. Oui, absolument. En passant par le Manoir Saint-Sauveur, que ce soit des débutants, intermédiaires ou joueurs avancés, ça me fait plaisir de les accueillir ici. Ils n'ont qu'à me contacter au Balmoral et je serai là pour les accueillir. C'est génial. Une bonne nuit. Bon, bien reposé, puis après ça, tu t'en viens ici. Et voilà. Merci. Bonne saison, Martin. Merci bien. À toi aussi. Restez là. Golf Mag revient après cette pause. Notre conseil de golf de Jérôme Blais est enregistré sur les sites du club de golf L'Express, fier partenaire de Mulligan International, balle de golf récupérée. On a tous entendu parler au golf de l'importance de garder le bras gauche pour un droitier, le bras gauche en extension. Ce que ça permet, c'est que ça garde le bâton à la même distance du corps tout le long de l'élan. Ce qui va faire en sorte que c'est plus facile de ramener le bâton solidement sur la balle pour avoir une bonne qualité d'impact. Par contre, pour les gens qui ont un peu de manque de flexibilité, si on cherche à garder le bras gauche en extension et que là, ça nous limite dans la longueur du backswing, dans la longueur de l'élan arrière, je deviens très court et j'ai plus d'amplitude. Là, ça devient un problème. Donc, c'est permis de pouvoir plier légèrement le bras gauche pour aller chercher plus d'amplitude et avoir un plus grand arc de cercle pour frapper la balle. Ce que ça fait, c'est que le bras va plier un petit peu, et au moment de l'impact, automatiquement,
Instinctivement, je devrais dire, le bâton va venir rechercher la balle. C'est sûr que si on est moins timé, que notre rythme est moins bon, ça va jouer un petit peu sur la qualité de l'impact. Par contre, à force de se pratiquer, on développe un bon timing, on devient habile, puis on est capable d'aller chercher plus de distance et plus de hauteur. Donc, idéalement, le bras gauche en extension, mais si on est un petit peu moins flexible que la moyenne, on peut aller chercher un peu de flexibilité. On complète l'élan et de cette façon-là, on va chercher un plus grand arc de cercle pour un meilleur élan. Sur ce, je vous souhaite bon golf! La chronique équipement cette semaine, laissez-moi vous présenter une série de fers qui saura plaire à la clientèle vieillissante qui joue sur nos parcours de golf. Et là, je m'adresse tant aux hommes qu'aux femmes parce que Ping a pensé à tout le monde avec sa nouvelle série de fers G-Max chez les hommes et la série Rhapsody chez les femmes. D'abord, si on jette un coup d'œil à ce fer surdimensionné, on remarque d'abord une face très longue. On aperçoit également une semelle très large. Et surtout, vous allez le remarquer derrière, avec la technologie Core Eye, une cavité très profonde. J'irais même jusqu'à dire que c'est une cavité aussi profonde que les grottes qu'on retrouve dans la réserve de Scandola. Bref, cette série-là de fer est un bâton, j'allais dire, pas extrêmement facile à frapper, mais disons très permissif, tout simplement parce qu'on a réussi à abaisser le centre de gravité justement avec cette semelle beaucoup plus large et en amincissant la face du bâton, question d'augmenter, si vous voulez, l'effet trampoline. Alors, lorsque le coup n'est pas nécessairement frappé au bon endroit, dans le sweet spot, comme on dit, vous allez obtenir quand même un maximum de résultats. Qui plus est, le fer 7 pour les hommes propose un angle de 30,5 degrés. Ce qui est quand même fort intéressant et ça permet d'obtenir de très bonnes distances. Personnellement, je peux frapper des coups qui peuvent avoisiner les 182-185 verges, mais sachez que ce fer 7 de 30,5 degrés, ben c'est l'équivalent de mon fer 5 normal dans mon sac. Alors imaginez tout le travail, point de vue ingénierie, qu'on a pu faire chez Ping pour en arriver à ça. Bien sûr, les ajustements sont essentiels. Vous allez remarquer cependant, lors d'un coup frappé avec un fer de la série G-Max, le son qui ressort de ces fers est un peu surprenant. Ça sonne, je vous le dis bien honnêtement, là, comme un bois d'allée. Alors, si les premières fois, vous êtes plus ou moins confortable et que vous obtenez de bons résultats, bien, il va falloir peut-être s'habituer à ce son-là qui est surprenant par moments. Je vous parlais de cette série pensée pour les femmes, bien, c'est la série Rhapsody. Sachez qu'on présente toutes les mêmes belles technologies. Cependant, c'est un bâton plus léger, plus court et qui permet d'obtenir de bons résultats. Et soit dit en passant, vous savez qui utilise la série de bâtons Ping par les temps qui courent? Ben oui, la jeune sensation canadienne de la LPGA, Brooke Henderson. Ce n'est pas ces bâtons-là très exactement, mais elle a des bâtons adaptés à ses besoins. Et tout semble bien fonctionner pour elle. Alors, à vous de les essayer. Lors de notre séjour, nous avons découvert le manoir Saint-Sauveur. Situé au cœur des Laurentides et à seulement 45 minutes de Montréal, le manoir Saint-Sauveur vous conquiert par son ambiance exceptionnelle, à l'épreuve à la fois du stress et de la banalité. Avec son constant souci de renouveau, le manoir s'est transformé au fil des ans en centre de villégiature incontournable de la région. D'ailleurs, les propriétaires ont récemment investi un total de 10 millions de dollars pour la rénovation des chambres, des espaces communs et des salles de réunion. Son spa raffiné, son bar lounge au charme intimiste, ses 23 000 pieds carrés d'espace de congrès, son terrain multisport et ses bains nordiques en font l'hôtel idéal pour un séjour mémorable loin de la routine quotidienne. Une nouveauté au spa, profitez des bienfaits de la thérapie chaud-froid et relaxé. On retrouve sur le site extérieur sauna à vapeur sèche et bassin froid pour les plus téméraires. Le manoir Saint-Sauveur dispose d'espaces gourmands aux ambiances distinctes. Hiver comme été, le manoir Saint-Sauveur est la destination de choix des familles, des couples, des groupes corporatifs et des golfeurs. Une partie au Balmoral se termine en beauté nécessairement avec une très belle normale 5, en montant, coudée à deux reprises et avec un très beau verre accueillant juste au pied du pavillon.
c'est vraiment l'occasion ultime d'espérer un birdie et d'avoir le goût de revenir une autre fois. Et après cela, bien, il vous reste à reprendre la route, filer vers le manoir Saint-Sauveur. Question d'aller vous prélasser dans les spas là-bas et bien sûr de profiter du restant de la journée. Voilà qui complète notre Golf Mag. Suivez-nous sur Facebook, écrivez-moi sur Twitter et on se retrouve très bientôt sur un autre parcours. Bonne semaine, bon golf! GolfMag vous a été présenté par La Forfaiterie. 1500 forfaits cadeaux, une seule adresse. Cette émission est enregistrée sur les sites du club de golf Balmoral et du manoir Saint-Sauveur. À chacun son manoir. On estime en terminant qu'il y a plus de 5,7 millions d'adeptes de golf au pays. C'est énorme, ces statistiques nous viennent de Golf Canada. Et je vous laisse avec des chiffres quand même révélateurs. On calcule à 60 millions le nombre approximatif de parties jouées chaque année au pays. Et à 37 000, le nombre d'activités caritatives de golf qui sont présentées chaque année d'un océan à l'autre. Ça, c'est du golf.